Ah, c'est que le chantier, ok. Slipland. Ouais, j'ai une maison. Ah, j'ai aidé. Académie Joyeux Décorateur. Du même niveau que Penguin Land. Alors, du coup, il n'y a pas besoin d'arroser les fleurs, j'imagine, avec cette pluie. Et le musée est en construction, et bah parfait. Parfait, parfait, on va pouvoir s'arrêter là. Je vais voir ce que je vais faire pendant une semaine, hein, si j'y rejoue pas d'ici là. Peut-être que je vais me connecter une fois par jour, genre pour ramasser les fossiles au moins et tout. On verra. Et Ryan? Alors? Bah tu vois, il y a un chat dans DBZ? Bah ça c'est mon état après le combat contre Décathlon. Ah putain. Non bah... J'ai fait des pieds et des mains, je leur ai dit mais vous pouvez pas m'en donner une autre. Ils font ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Je fais bah dans le pire des cas vous pouvez pas m'en louer. Ils font ah bah peut-être, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. En fait faut que je l'envoie. Bon, ils m'ont donné le... L'endroit du siège social, il est à Paris hein, quand même, donc ça fait chier d'aller à Paris. Il faut que je l'amène le truc et ils me changeront ce qu'il faut. Mais fait chier, quoi. Et tout ça parce que a priori la personne qui s'est occupée de moi en prenant la trottinette, c'était une stagiaire et qu'elle savait pas. Parce que c'était une fille qui bossait là que pour 2 mois. Alors c'est sympa, mais bon. Elle a pas pu s'en rendre compte avant. Genre. Du coup là j'ai ma trottinette hein, et elle fonctionne comme avant en fait. Elle est en gros je peux pas l'éteindre, elle reste allumée. Et je ne peux pas changer de vitesse ni allumer de lumière, donc c'est sympa hein, quand on va dans la nuit. Tant pis, je prendrai une lampe torche dans ma bouche et je conduirai comme ça. Tu veux. Par contre, le changement de vitesse, ça me fait un peu chier parce que bah j'ai. Je suis limité à 20 km/h. Alors que je peux monter à 40, 35-40. Alors après, bon, je roule pas à 40, quoi, mais.
Si jamais je suis en retard, ça peut aider. Sinon, tu continues d'y aller à pied. Bah, dans tous les cas, de toute façon, je vais être obligé vu qu'elle va repartir en réparation. Mais ça me faisait chier parce que c'était surtout pour ce temps-là en basse saison où je me lève tôt et où j'ai la flemme de marcher alors qu'il est ultra tôt quoi. Oh, la sauterelle, elle s'est suicidée. Eh ben, tu prends sur toi. Ben non, c'est pas ma faute. Donc là, je vais y aller. Le temps qu'elle part pas en réparation, je vais reprendre ma trottinette sans lumière ni rien. Et puis lundi, quand elle repartira en réparation, bah... Tant pis. C'est juste pour 2 jours. Sachant qu'il fait pas encore nuit tard le soir, tu vois. Ni tôt le matin. Le truc qu'elle a pas, c'est que je peux pas changer de vitesse ni allumer des lumières. Donc en plus j'ai un gilet jaune et un casque. Là t'as les flics qui m'arrêtent avec la trottinette, ils remarquent même pas qu'elle est pétée. C'est un problème technique, juste je peux pas l'éteindre en fait, c'est tout. Il n'y a aucun autre problème. On m'apprend que demain le parc du château de Versailles est fermé à cause de la tempête qui se prépare sur Versailles. Mais je pense que le musée, lui, va rester ouvert. Je me renseigne. Rouler sous la tempête. Bah, c'est soit marcher sous la tempête, soit rouler sous la tempête. Hein. Tu l'as jusqu'à quand? Jusqu'à minuit normalement. C'est mieux marcher. Bah t'es quand même trempé. Tu glisses. Pas forcément. Si tu roules doucement. Puis je suis un expert. Dit le gars qui se fait mal de partout. Ouais, mais ça, c'est quand je me lève, ça.
Tu veux trouver un mot pour tout, c'est pas grave. Non, je veux utiliser ma trottinette, c'est tout. Bah tu le brosses, yeah! Je verrai surtout si quand je pars c'est déjà la tempête. Parce que si c'est pas la tempête quand je pars, ça sert à rien. Terrible malheur. Oh! Ah mais quand tu dis quelque chose, ça se passe à chaque fois le contraire. Donc... Viens de battre. Oh, on va pouvoir aller visiter d'autres îles. Ce sera ça jusqu'à minuit. Non, non, à partir de 9 h, on va chasser du shiny. Faute de fond, je peux pas. Bah, tu chasses le shiny sans le charme chrono. De toute façon, j'ai mieux à faire. Trente morceaux de chaque et aussi 30 pépites de fer. Pas moyen de créer des coffres, des trucs comme ça.
Hop, comme ça, on dépose nos trucs. Bah alors. Alors j'ai réussi à le prendre l'arme. Bon, ça se fait. Alors il n'y a que les arbres à cerises qu'on peut prendre. T'as pas assez de force. Ah, c'est ça. Faut que je mange des cerises. J'ai un espace de rangement maintenant. Pas cool. Et comment je range? Bon, comme ça. Je mettais stop ici sur mon ancienne game, avec la maison et le musée fait. Ça.
Moi, je ne puisse pas en manger plusieurs d'un coup. Ah, mais je peux entreposer en étant dessus. Ok. Pas mal ça. Un tout dernier boss de l'histoire principale. Bon, on est d'accord que l'histoire est pas finie. Il va y avoir d'autres trucs. Tout ça. Bon, maintenant, on va faire des réserves de bois. J'ai oublié de le ranger, lui. De la pierre pour faire une hache, je suis con. Prendre de la pierre. Et ça. Je viens de voir qu'on peut changer des trucs comme ça. Et pour le ranger, il faut faire en bas. Ah mais c'est pratique ça. Allez, je voulais fabriquer une hache. Moi je savais, gnignigné. Et je pense que c'est par réflexe d'avoir joué anciennement que j'ai fait ça. Faire 3. Mais c'est à cause de tout ça de tout à l'heure que j'ai cassé une pierre du coup. Parce qu'il me restait un repas, donc quand j'ai tapé dedans, j'ai cassé la pierre en fait. Faut que je fasse attention à ça.
2400 fléchettes. Agré! Coucou Kozoku! Ouais, voilà. T'es prêt pour tout à l'heure? T'as combien de boîtes du coup? Toujours 10? Tu t'es arrêté ou t'en as fait plus? Moi j'ai pas pu en faire plus parce que j'ai mes boîtes qui sont complètes déjà de des Pokémon que j'ai chopés. Allez, c'est parti. Dis, j'avais plus de batterie, donc j'ai arrêté. Bon, voilà, bon. On est bien du coup. Faut que je dépense les... la bouffe que j'ai. Voilà. Oh, et puis en vrai, c'est très bien comme ça, dégager. Merde! J'arrive pas à viser le trou. C'est bon, le setup est prêt. Un setup, toi. Hop là. Je suis lancé encore dans un jeu de farm à mort. Bah ouais. Va parler avec la télé sur ton lit. J'ai jamais dit que j'avais un setup, moi. Faut que je le mette en place, mon setup. Mon fils, je t'attaque. J'ai fini Boruto, je suis triste. Déjà? T'es sûr qu'il y en a à réagir comme ça. J'ai vu 50 épisodes de la putain. Alors je lui ai donné un coup de hache, elle était toute contente. Quand on est bloqué dans sa chambre, tu m'étonnes. Ouah, elle m'a donné une pelle normale.
Mir My Hero Academia. Miro, regardez l'animé. Hop là. C'est moi qui l'ai bouffé. J'ai déjà les 10 premiers tomes. Je sais pas combien il y en a par contre. Oh. Ils sont peut-être aux 40 ou quelques. Enfin. Encore? Là j'ai pas le temps. Ah ben. Évidemment il a fallu que mon perso tape. Au lieu de rentrer. Il tape contre le mur au lieu de rentrer quoi. Non mais les hitbox de ce jeu, je vous jure quoi. Franchement quoi. Bon, moi j'ai pas la tête de maths. Voilà. Question. Je vois pas le rapport. Il parle de zombies. Yen qui est sublime. Je peux demander le légendaire? En shiny, je crois qu'il est lock. Légendaire. Pourquoi? Là, il faut que j'aille planter de. Hop là. J'en ai un pour toi. Deux. En double, en montant les Pokémon niveau 100, je suis tombé deux fois sur le même MDR. Ah, tu l'as en shiny? Donc il me manque 10 trucs. Claire. Tu verras lequel tout à l'heure, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est pas mat en shiny. Bon, il est shiny de base, mat, c'est pour ça. Hein. Il est tout brillant.
Pourquoi il y a des arbres racistes qui donnent pas de noir? Il me faut encore 6 blancs. Enfin 6 jaunes plutôt. 5. 4. L'exposition pour faire des chaussures. J'ai dit que je devrais pas rire à ce genre de blague. Il n'y a plus qu'un. Juste ramasser les... Les cerises maintenant. Est-ce que je pourrais virer... Donc là j'ai les 30, 30 et 30. Mon perso c'est Kakashi. T'as vu comment il te l'aurait fallu. T'as beaucoup de temps à merde. Ouais. Mais bon. Y en a qui sont radins. Alors, je vais donner ça, ça, hop, grave. Non, en vrai, je pense que tu l'achèterais, mais si... Il était à bas prix en brocante, quoi. Comme tous les jeux Nintendo. Car les bleus et un parquet boulot.
pas de florestrier, genre. J'aime bien le jeu, mais je sais pas, il y a le temps à... Ouais. Je comprends. Trente pépites de fer. Je reste en plus. Hein. Ok, ça marche. Plus de. Toi, t'as pas le droit. Ah ouais. C'est quoi? Eh bien, bon, pour le jour, je pense qu'on n'a plus rien à faire. Alors, si je vais peut-être arroser mes plantes un coup. Attraper des poinçons de nuit aussi. Je sais pas si c'est les mêmes que le jour, je pense pas. Le jour t'as pas vu toi. Perche jaune. A priori, je l'ai déjà. Bah, il y a pas...
Oh, j'en ai pas celui-là. Un gobi d'eau douce. Gobi! Il est sérieux, le poisson là. Je vais le tuer! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Pour une bouvière en plus. Ce bruit de Luma. Kérassine. Oh, une bouteille. Bouteille, bouteille. Parfois, les bonnes idées nous viennent par surprise. J'ai eu celle d'élaborer un plan de miroir et j'espère que ce qui se passe peu. Miroir plein pied en bois. Chincha! Ah, canapé pété. Les gens sont cons. Les gens se renseignent pas avant d'aller dans un musée. Ils seraient renseignés, ils auraient su que bah à partir d'aujourd'hui le musée ferme à 17h. Et t'as tous mes collègues qui sont en train de me parler là, qui sont en mode mais les gens sont cons en fait. Ils pensaient tous que le musée fermait à 18h. Et ils voulaient pas sortir, ils voulaient forcer le fait de rester.
je t'aime. Ok, ok, bah écoutez. On va passer le temps. Et revenir le lendemain.